Tout le monde, comment nous y est? C'est un grand plaisir pour moi avec nous aujourd'hui dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Notre date, jeudi 5 janvier 2023. M'a rappelé ou sous TAC 509, tout haïtien connecté. Une des raisons sous son haïtien ou pourquoi abonner à la chaîne là. Raison de plus pour abonner, activer la cloche notification pour pas rater aucune vidéo n'a gagné pour poster puisque c'est là où on a besoin de bonnes informations sans fausse côté ni voyer monter. Haïti politique. Pendant société, pendant nous tous, nous mettons focus nous sous Zak Brigandaï, pasteur Mel Lafleur, la fin de société. Eh bien, premier ministre de facto, Ariel Henry, n'en bon pas à exécuter agenda politique ligénie. Ariel Henry, notre date qui était 1er janvier 2023 passé, li te font un discours. Et dans l'occasion, si là, Ariel, li te getan, voyons signal la population, qui pas prend signal là au sérieux, même pas caché, dit nous, Ariel Henry lui-même, c'est zigzag, il a psimaé dans la classe politique là. Ariel Henry, c'est agenda politique, il a exécuté, rete là, ou pral joindre plus de détails. Depuis après assassinat président Jovenel Moïse, gagnons structure qui mettait campé. Le jovenelisme. Eh bien, structure ça qui regroupait des partisans, des sympathisants à Jovenel Moïse, à quoi Jovenel Moïse t'a prôné, eh bien, je dis là, ils ont décidé de sortir dans le silencieux. Youn, le chef de file mouvement Jovenelisme en action, eh bien, lui parler. Ou pral gagner pour tendre toute explication, tout détail là-bas, non seulement sous question sanction, yo, mais tout sous mauvaise gestion gouvernement Ariel Henry à faire. Restez là, on va joindre tout détail ça yo dans la vidéo ça. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Décembre 2022, Premier ministre Ariel Henry t'a organisé une rencontre dans l'hôtel Caribé avec différentes couches en dedans société. T'a gagné des acteurs politiques, t'a gagné membres société civile, t'a gagné des représentants de secteur économique là, yo tout t'a chita son même table pour joindre un accord. Et 21 décembre, yo t'a pas signé un accord historique, un accord global, un accord et politique qui t'a pas permettre de mettre campé un conseil de transition. Eh bien, dans le conseil de transition ça, il y a différents membres qui désigné. Yo désigné Calix Floridor pour Fédération protestante d'Haïti, yo désigné Laurent Saint-Cyr pour secteur privé des affaires là, et on t'a pas désigné Mirland Hippolyte Maniga pour secteur politique là. Depuis jour ça, on pas caché dit nous grand pile question qu'a posé. Gion pile question qu'a posé, gion paquet l'autre acteur politique qui sorti tête dehors, qui met tête dehors, qui dit yo même, yo pas consulté yo, yo pas contacté yo, yo pas au courant, t'as pral gen un accord qui t'as pral signé, t'as pral gen un compromis qui t'as pral signé dans Caribé, qui t'as pral gen pour mettre, qui t'as pral gen objectif pour mettre campé en conseil de transition. Eh bien, en échange, nous rentrons dans 2023, au conseil de transition, ça, c'est kounye à la simaye zigzag, c'est kounye à la créer problème, c'est kounye à la créer différents politiques dans la société. Tendez bien. Ariel Henry gagne 3 moun la qui censé pral gagner en responsabilité pour conseil. Faut que moi dis nous, au conseil de transition, j'en nous te pensé, au conseil de transition, t'as pral gagner tout pouvoir, membre yo t'as pral gagner toute liberté yo, non seulement pour yo prendre des sanctions, pour yo prendre des mesures contre toute mauvaise gestion que t'as fait dans l'état, non. Au conseil de transition, 3 membres yo Ariel pral gagner pour installer dans fonction yo, c'est le simple conseiller yo. C'est des simples conseillers. Ariel Henry, gouvernement Ariel Henry, yo ba yo feuille de route. Yo nan feuille de route, yo pral gagner pour yo travailler sur un projet de sécurité. Nan feuille de route, yo pral gagner pour yo travailler sous cour de cassation, pour yo fin former cour de cassation, etc. Ariel, ba yo mission
pour former cour de cassation, puisque Ariel connaît, dans la constitution, pas de possibilité pour président cour de cassation, pour le tavin président pays. Donc, Ariel senti ça par une menace pour lui, donc il baille prérogative ça, il baille moun et héros conseil de transition, privilège ça, pour le travail sous cour de cassation. Mais pour qui ça? Ou conseil de transition, membre au conseil de transition, pas gagné droit pour yon veye à action gouvernementale, Ariel Henry. Pour qui ça, membre au conseil de transition, pas gagné droit pour aller aux oreilles Ariel Henry. Pas gagné droit pour sanctionner mauvaise action gouvernementale qu'a fait dans le pouvoir Ariel Henry. Parce que Ariel Henry, lui-même, Ariel n'a objectif pour le rete seul major dans notre pays. Nan objectif pour le toujours gen plein et entier contrôle de sa kafet en deux dans le pouvoir là. C'est Ariel Henry, malgré qu'on au conseil de transition, c'est Ariel Henry qui seul kok chante, c'est Ariel Henry qui major jon, li pa gen compte pour le rendre à personne. Déjà là, yon considéré, en pile moun nan société civile là, en pile acteur politique, yon considéré trois membres comme trois marionnettes Ariel Henry. Si nous non au conseil de transition, nous faisons partie de au conseil de transition, nous pas le pouvoir pour nous sanctionner, nous pas le pouvoir pour nous râler les oreilles, nous pas qu'à tirer aucun levier, nous pas qu'à faire pression, nous pas qu'à forcer le gouvernement à agir dans l'intérêt peuple. C'est qui intérêt nous? C'est qui intérêt nous gagner pour nous prendre un job comme ça? Non mais rien. Moi-même, déjà m'a dit, nous pas aucun doute sur capacité monsieur dame ça yo pour yo pour yon ta exécuter ça yon gagné comme feuille de route. Pour yon ta exécuter ça yon gagné comme mission dans le conseil de transition. L'autre personnalité, tant que Madame Maniga, constitutionnaliste de son état, Madame Maniga, li font parcours dans le droit, Madame Maniga, li gon pedigree, Madame Maniga. Madame Maniga, son moun, tout moun connaît dans la société comme une forme de valeur. Ok? Pas yon doute sur ça. Moi même pas vin là pour me cracher sous travail madame Maniga, loin de là pas jamais osé me faire fait ça. Pasteur Calix Floridor qui lui-même lui représente Fédération Protestante d'Haïti comme doit bagaille. Journée aujourd'hui là, c'est pas Tilobey qui est dans fédération. C'est pas Tilobey qui est dans fédération parce que même fédération ça, Fédération Protestante d'Haïti qui fait partie de l'accord 21 décembre Ariel Henry, il aussi un accord Montana tout. Tenez bien, oui. Ariel a cherché pour créer zigzagnia dans le secteur politique. Là, il y a une série d'acteurs qui fait partie de l'accord Montana, puisque Ariel choisit le pape dit là avec Moun Montana. Yo. Ariel n'est pas paré pour gagner un exécutif bicéphale côté pour le bon président ou premier ministre. Il cherchait des membres influents dans l'accord Montana, il rallier au accord 21 décembre, côté le bras le mettre campé en haut conseil de transition. Eh bien, qui s'accrivait là? Qui s'écrivait, gagné secrétaire général Fédération Protestante d'Haïti, qui c'est Peterson Pierre-Louis. Peterson Pierre-Louis, dans le moment où on a parlé à l'âme, gagné un gros débat qu'a fait, parce que gagné un paquet de membres que dans la société civile, gagné un paquet de l'église, tout, qui demandait pour pasteur Calix Floridor, qui c'est une membre de fédération, pour le démissionner dans la fédération, pour le quitter la fédération, parce que yon pas connu la Fédération Protestante d'Haïti. Son organisation, bien son structure politique, fédération, li pa vocation politique. Comment ça se fait pour journée aujourd'hui, pour pasteur Calix Floridor, pour faire partie de au conseil de transition, sans que préalablement, yon pas te soumettre, li pas te soumettre envie, pas te soumettre décision, by fédération. Soit dans de là, parole en pile. Gen ancien secrétaire général et fédération, Edouard Poltre, lui-même, non seulement li mande pour pasteur Calix Floridor quitter fédération parce que là li rentre dans l'autre démarche dans cause politique, c'est bagaille politique li pral régler, c'est avantage politique li pral tirer, c'est ça yo di. Mais li gen tan dou tout carrément sans réel décide de mettre campé là comme conseil de transition. C'est jouet marionnette, c'est jouet timounier. Parce que mettez trois moun en côté, trois moun sa yo pa gen aucun pouvoir pour yo décider. Trois moun sa yo, c'est comme si c'est job ou yo vin faire encore. Yo pa gen aucune latitude pour yo décider dans l'intérêt peuple. Yo pa gen aucune latitude pour yo décider ça ka bon pour peuple. Vous comprenez? Donc par rapport avec situation ça, non seulement ça qu'arrive là, non titan qui pas trop coûte, autant dès que Ariel va l'obliger chercher un autre membre pour le mettre et représenter Calix Floridor.
si ça t'arrive, Calix Fleuridor, Fédération t'a dit ou pas reconnaître, il faut qu'il quitte l'obéis, il faut qu'il quitte Mascarade, Ariel, mette campé à là, et pour le passal plus, non Fédération Protestante d'Haïti, qu'on y a Ariel pour l'obliger à chercher l'autre mob. Mais qu'on l'autre bagaille pour comprendre, même Jean-Laurent président fait monter son pouvoir dans ton pays, président, ligue sans premier jour pour le faire preuve lui. Si Ariel mette rive, mette campé, rive installe trois membres fédération et au conseil de transition qui gagne secteur religieux dans la dalle, qui gagne secteur politique dans la dalle, qui gagne secteur privé des affaires dans la dalle, kounyen. Li pral mande population, li pral mande peuple haïtien, bayon titan pour yo évaluer yo, pour monsieur dame sa yo ka évaluer travail y a bien pour faire hein, pour yo ka évaluer possibilité qui gagne pour yo travail réellement sur un projet de sécurité etc etc. Pas de problème, mais faut nous conscient, faut nous cohérent dans ça n'a dit, puisque si nous dit madame Maniga li représente journée jodi en secteur politique là, et leur apprend des hommes et des femmes qui fait partie de secteur politique là, qui yo même yo fait partie de différents partis structures organisations politiques en dedans pays là. Leur prend par exemple ou prend Clarence Renoir Union li dou li même ça Ariel mette campé là comme au conseil de transition, li pas marché dans ligne non. Leur prend et sénateur Jean-René Sénatus, sénateur Zokiki, qui lui-même lui dou question madame Maniga au conseil de transition, lui considère le comme président transition et André Michel Temete a oui. Lui considère le comme mécène 2. Mais quand bagaille la plus grave là, imaginons même Maurice Jean-Charles Dou, lui pas au courant de au conseil de transition. Que vous voulez, que vous parlez, que vous fanatique, que vous d'accord avec Moïse, que vous pas d'accord avec Moïse. Mais moi-même, là, vous me toujours de vérité en janvier. Dans ce moment-là, on ne peut pas parler de accord politique, de dialogue politique, de compromis, sans que Moïse Jean-Charles baladant. Moïse Jean-Charles, c'est lui qui a fait manifestation, c'est lui qui a bloqué le pays, c'est lui qui a mis les gens dans la rue, etc. Si vous dialogue, si vous compromis, faut là. Donc, pour nous venir trouver nos logiques, nous obligés à bailler, n'exagérer au réseau, parce que le doux, madame Aniga, pas représenté secteur politique là pour yo, parce que préalablement pas de gauche t'a parlé, pas de gauche t'a parlé qui t'est fait avec yo, son vérité lié, son vérité. Donc Ariel Henry li konn sa le construire, Ariel Henry qui voulait mettre campé au conseil de transition, li connaît quelque part la fond des marches pour le mettre campé en institution, mais peut-être son institution morne lié. Comprenez? Li montre qu'elle a une bonne volonté pour gagner un accord qui s'y est. Li montre qu'elle a une bonne volonté pour gagner un consensus qui joue. Mais au final, li connaît consensus ça. Institution ça va le mettre campé qu'a prendre naissance en dedans consensus en dedans accord qui signé li connaît non seulement il a contesté il a vu li prendre elle il a décrié elle rien pas fait rien sérieux pas fait vrai rien pas ti moun petit rien connaît ça l'affaire rien connaît non seulement l'affaire nous perd du temps pour nous toujours parler de dérive de magouille qu'a fait en dedans pouvoir l'état là en dedans administration là mauvaise gouvernance qu'a fait mais tout. Ariel pendant n'a parlé de mauvaise gestion, Ariel Henry lui-même l'a exécuté agenda parlant. On y a un bagaille qui est extrêmement important. Si tout le monde dit madame Aniga va représenter secteur politique pour vous, eh bien qui secteur politique madame Aniga représente? Si nous remontons en 2016, tendez bien ça me bral di nou. 2016, ou prend André Michel. André Michel l'été candidat au Sénat sous bannière RDNP, parti Mirland d'Hippolyte Maniga. Quand il y a un premier bagage qui doit attirer attention, soit poser bonne question, soit les réponses vraiment, c'est chercher qui relation qui existait entre madame Maniga avec Ariel Henry. Pour qui ça choix premier choix c'est sous madame Maniga, pour qui ça tout le monde rejeté choix madame Maniga dans le secteur politique là. Lors des réalités en 2016, autant de André Michel RDNP, autant de Ariel Henry, André Michel SDP, ou bien tant ouais, c'est ça qui, peut-être c'est ça qui lié yo. C'est ça qui lié yo, c'est ça qui c'est André Michel jeune jodi an là qui a qui facilitateur, qui a cherché dialogue, qui a cherché compromis, comprendre? C'est André Michel qui a géré bagay yo, André Michel son, yo comme dit, yo comme baron non, oui, entremetteur. Oui. André Michel a joué là pour yo. Donc par rapport avec situation ça, qu'il y a qui ça qui doit faire, qui ça qui ka fait? Qui ça qui ka fait l'autre trouve non situation démon depuis au marée
depuis on a un grain soulier ou voulez mettre au conseil de transition tout le monde a plongé doit sous moun yo dou moun sa yo pas connait yo moun sa yo pas accepté yo. Est-ce que il y a possibilité, est-ce que nous a possibilité là pour Ariel Henry pour réussir avec au conseil de transition? Moi même pas dit que Ariel Henry et madame Aniga gros bagaille qui existe c'est magouille a fait. Non, pas dit ça. Au contraire, moi-même toujours bat bravo, toujours d'accord avec tout consensus. Depuis ce dialogue, depuis ce compromis qu'a fait pour retirer le pays à côté, je suis toujours d'accord. Mais il y a bien longtemps, il y a compromis qu'a fait, il y a bien longtemps, il y a accord qu'a signé. Il n'y a pas jamais d'intérêt pays en vrai, il n'y a pas jamais d'intérêt société, il n'y a pas d'intérêt peuple. Parce que tout le monde est chaque accord, c'est pas grave, il n'y a pas réglé. C'est pas grave, il n'y a pas réglé. Calix Florido a contesté. Madame Aniga a contesté. Bon, c'est seulement secteur privé. On est dans le secteur privé. C'est gros bras, ça, c'est eux-mêmes qui désignaient, qui mettaient Laurent Saint-Cyr. Parler de AIC, parler de Access, parler de Bidjo, parler de Abdallah. De vous parler de secteur privé, nèg yo jounen jodi an la yo Antonio. Yo choisi Antonio. Et si vous constatez bien, c'est seul secteur ça qui Antonio n'a encore rien en rien. Qui est-ce qui va tirer profit? Qui est-ce qui va tirer bénéfice? Peuple ou bien eux-mêmes? En tout cas, nous obligés de caler genou, nous obligés prudents et vigilants pour ne pas prendre un coup de bas, pour ne pas prendre un coup de mauvais coup politique. Nous-mêmes qui avons un travail d'éducation civique, d'éducation citoyenne pour le peuple, nous voulons l'ouvrir. Au travail journaliste, ce n'est pas venir voir monter, ce n'est pas venir décrire les gens, ce n'est pas venir déshabiller les gens tout, ni mettre dans la place publique, comprendre pour sale réputation. Non. Nous là comme des avant-gardistes, nous là pour nous dire voilà, mais si ça a fait de telle façon, mais à qui soit carton, nous si ça a fait de telle façon, mais à qui soit carton, nous là pour nous faire des projections. Donc là, on a ensemble des formations dans mon, n'a pour est-ce que Ariel a continué dans la démarche pour installer mon bio, ou bien est-ce que Ariel Henry avant d'installer mon bio, pour avoir un consensus, pour avoir une autre entente, une autre réunion qui pourra le faire avec soit Montana, qui pourra le faire soit avec Pen, Gré, etc. Pour le voir qui ça a fait vraiment pour l'année 2023, pour le pas passer même là avec 2022, dans turbulence et instabilité politique. Maintenant, dans le dossier Jovenel Moïse, dans le dossier Jovenel Issio, qui ça qui dit, qui ça qui fait, comment yon concevoir justice président Jovenel Moïse pour l'année 2023? Comment yon concevoir mauvaise gouvernance, mauvaise gestion qui a fait par le côté pouvoir réel en rien? Comment yon concevoir sanction que international prend contre différents personnalités politiques, ancien président, ancien premier ministre, ancien député, etc. en dedans pays, des hommes économiques très influents? Comment yon concevoir? Eh bien, ancien député Keskofla, Alfredo Antoine, libre à le faire parler. Sous année 2023. Il pral font bilan, il pral parler de justice Jovenel Moïse, il pral parler de activité économique, il pral parler de agriculture qui crase plate, il pral parler de impossibilité paysan yo gen pour yo joindre engrais jodi pendant que secteur privé yo même y a fait des millions de dollars en Haïti. Comme ça tout gen moun dans secteur privé, il gen les gon ti jeu pour yo. Ou pral joindre tout détail ça yo, rete focus, bal toute attention dans interview qui t'est réalisé matin bonheur dans Yor TVC Grand Boulevard. Ancien député Keskof là, li kwè présence gang sa yo en roi gen pou ak yon plan pour déstabiliser PIA, donc qu'est-ce qu'on fait pour lui qui jusqu'à présent protégé, mais présence gang yo dans zone qui environne qu'est-ce qu'on fait affecté tout la vie moun nan commune. Ancien député Alfredo Antoine avec nous concernant situation ça qui pas manqué pas préoccupé moun qui habite en roi. Alfredo Antoine, bonjour. Bonjour monsieur Pierre Wenel René et bonjour madame Alexandre. Et bonjour à tous fidèles auditeurs, auditrices Radio Caraïbes. Un plaisir pour me répondre à une question matin, surtout sur question phénomène d'insécurité et phénomène gang qui gagne dans la boule qui affectait la commune Keskof. Pas plus tard que il y a 48 heures, on tentative de kidnapping qui était faite dans Thomas 548 38. Et c'est sous un policier.
Et si c'est pas vigilance policière, et policier ça c'est originaire, c'est mon Keskov que lié. OK, mais qui a travail non et au niveau Port-au-Prince. En parlant de kidnapping, n'a rappelé ou ancien collègue ou qui était Smith Maturin qui toujours en bas mais bandit a été kidnappé lundi passé à Saoud Grecia, nous pral parler de ça, mais Alfredo Antoine situation n'a parlé de Lila, ça fait longtemps la paix développée en roi, mais comme ancien député moun qui impliqué dans la vie communautaire dans Keskov, nous avons été plein de temps pour intervenir sur ce dossier ça. Est-ce que c'est parce que tout simplement Keskov, vous pensez que Keskov était à l'abri? Alors, même t'es député du peuple, quand c'est député du peuple, donc c'est pays, c'est pas parce que Keskov pas concerné qui fait que je ne pas parler. Donc, je ne dois pas parler sur Caraïbes, mais si nous pas m'interview, m'interview, pas parler, mais il y a d'autres médias, d'autres stations qui contactent, que je parle de interview sur phénomène insécurité de manière générale, mais pas plus sur commune Keskov là. Faut nous dire que les nous parler de la boule, nous parler de Thomasin, et juridictionnellement nous parler de commune de Pétionville. Mais la route principale, route qui mène à Keskov là, elle passait par la boule, par Thomasin. Donc automatiquement, et zone ça a un problème. Donc commune Keskov là, handicapé tout. Donc monde qui a fait va-et-vient pour descendre, monde qui prend l'école, monde qui commerçant, tout ça, il est paralysé, vie et commune dans tout. Mais c'est tout côté qui a un problème. Et banditisme qui concernait au premier chef pour avoir été un ancien parlementaire. Donc, que Mando fini pour quitter un pays dans condition ça. Même Abdi, problème insécurité, ça gagne, problème gang, non. Bon architecte qui a tracé plan pour que y arrive à faire ça. OK? L'homme prend position géographique et la boule. Et gang yorele, gang Timakak. OK? Et qui montait dans zone ça qui paralysait et qui a tendance à monter davantage pour l'autre Thomas et après Thomas c'est Fermat c'est Keskov que c'est dans commune Keskov. Donc gros plan l'on prend 5 départements qui bloqués depuis plus que un an, presque 2 ans là que 5 communes bloquées et ça pas dit pouvoir central rien. Et m'a pas rappeler que en mars, au mois de mars 2021, l'heure que intervention qui était faite dans le village de Dieu. Et quelques temps après, je crois que le gouvernement, ou état-major de la police, oublié qui est-ce qui était directeur de la police à l'époque, c'est pas monsieur Normil. Mais ils étaient réunis pour qu'il y ait une intervention, pour commencer depuis dans chauffeur guide, craser et river village de Dieu, aller, pour effacer zone ça, craser building qui gagne, parce que l'État qui s'allie. Et Pierre-René, ce bon douette qui a contaminé tout corps, c'est pour qui ça médecin, bon nous on médecin dans tête gouvernement, pour qui ça médecin, si on va contaminer tout. Et quand il a coupé doit ça, mais c'est ça le délire. Mais on connaît que sous ancien gouvernement à l'époque c'était ministre Jout, il était recevoir appel et me souhaitait le dire qui est-ce qui était relel qui était mandé pour que opération ça il était stop et il était stoppé. Si depuis là ça était par exemple ça que zone village des dieux prend depuis un chauffeur guide il était écrasé. Donc gang pas ta poussé comme tant coup de jonjon. Bien que m'jo, dans la question gang, je ne pas prêté sur le plan national seulement. Il y a une main externe. D'après moun qui a dit, il y a sanctionné moun pour question gang, moun qui a alimenté gang. Il y a deux institutions étatiques qui là. Il y a DCPJ, il y a la justice. C'est marché sévi contre tout le monde. Grosse situation, député Alfredo. Côté gang, joindre deux armes sophistiquées pour avoir deux armes qui pas même à la portée de la police. L'armée d'Haïti, M. Pierre Wenel, te recevoir des armes. Où qu'on est que vous recevoir l'ordre de l'ambassade américaine à l'époque
et ministre qui dit qui fait confession ça qui dit que il recevoir l'ordre pour dire que pas bail la bi d'Haïti zam bail police la zam nan pito zam qui rentré que yo commandé pour l'armée. OK, pendant qu'on gagne deux forces publiques que constitution hein? Donc pour au gouvernement sans vergogne et accepter recevoir l'ordre de l'ambassade étrangère pour que force publique la kaili li par armée et peuple ça livré pour contre lui. OK, donc c'est ça qui menait tout phénomène de banditisme. Tout bandit ou cap monté, bon moi ou mettez millions de dollars sous tête bandit. Donc c'est bail bandit, j'arrête dans le pays. Ok? Non, et donc c'est Alfredo, donc ou d'accord tout, et banditis que nous gagnons là, j'en gagne là, li, et veni tout en partie de. En série, ancien député, officiel, même Jean avec vous. Qui, écoute, qui, monsieur Pierre Wenel, moi toujours remettre en dit ça. Chaque fois que vous parlez de banditisme, vous dites que c'est de parlementaires qui tapent armé moun pour faire élection. Mais t'aimes-tu? Admettons que tu as de parlementaires qui utilisaient, de anciens parlementaires, et t'as dit qui utilisaient moyens, ZAM, pour qu'ils prennent élection. Mais nous avons plus, nous avons 3 ans que parlementaires, ça n'est pas là. Ça fait que DCPJ va avoir une base de données pour le marché traqué parlementaire, ça n'est pas là, qu'on ait qui a ZAM pour l'arrêter. Ça empêche yo pas gagner immunité parlementaire encore. Donc son prétexte que yo toujours dit. OK, c'est vrai que dans question élection, il y a deux zones soit aller au niveau conseil électoral là, deux zones criminogènes que élection toujours gâtée, que c'est bandit bon, ce qui fait élection dans zone ça que malheureusement joindre deux candidats qui pour arriver dans parlement qui armé de monde. Tel n'est pas mon cas, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait auprès de nous? Nous avons fait ouvrir le micro pour qu'on ait que 6 zones, la commune, ça habitué à faire élection à question de ZAM. Donc, même pour candidat, même pour élection précédente, ZAM n'a pas fait élection dans la commune, ok? Donc, pratique ça, elle existait vraiment. Mais, pour que 3 ans que le parlementaire, ça n'est pas là. Donc pour qui ça que la justice pas braquer aussi au gazam yo ta armé moun yo pas gagne immunité pas aucun prétexte que pour la justice et la police prend DCPJ là son institution étatique gondal jeune qui bien formé marché traquer de parlementaires de anciens parlementaires qui t'a pas armé population donc pas ça pas kembe c'est de la foutaise. OK, et discours ça il y a deux monde dans international là qui véhiculer en façon pour que plan yo gagne pour déstabiliser le pays, ok? Il a avancé sous lui. Nous avons un sénateur Maurice Jean-Charles qui a parlé de questions et communauté internationale. Là. Mais c'est propre nous-mêmes haïtiens qui acceptent, qui font de manœuvres pour que la communauté internationale ait plus pied dans le pays. Nous. Les remplacer institutions étatiques que nous avons. OK, donc c'est nous-mêmes dans bataille entre frères. Donc mon sénateur Maurice Jean-Charles fait 4 ans et demi à bataille à un président soutenant même département avec. Yo pas jamais rivé joindre un accord ou entente pour que pays a avancé. Ou pas jamais ca joindre un monde que ou besoin toute bagarre pour le faire. Non mais au moins sous des accords nous capable de joindre un accord pour pays. C'est ça qui fait que ouais, la communauté internationale y a placé une autorité administrative. Question accord ou parler nous t'ai posé sénateur Maurice Jean-Charles sur accord. Donc monsieur Ariel, il pas gagné Henri, il pas gagné autorité politique. Li doté de autorité administrative, contrôler la douane, DGI, qui dépense, qui le fait, mais il n'y a aucune décision politique majeure qu'il est capable de faire. Mm-hmm. Sinon, on a pas le droit de décision déjà. Et c'est peut-être ça qui explique l'incapacité, souvelé ou reproché. Équipe ça pour bailler une solution à problème, ça n'a pas les là, problème spécifique qui vient pour avec Bandio. Mais bien avant équipe ça, où tu as Jovenel Moïse qui était là et qui pas arrivé tout éradiquer le problème. Ça, au point que nous avons dit, c'est un héritage de l'administration qui passait. Même si je dis tout à l'heure, c'est un plan pour déstabiliser le pays. Après ça, de qui est-ce? Est-ce que c'est de communauté internationale là, ou de l'État? Et qui est intérêt pour
tout à déstabiliser pays. Écoute, l'autre pays, on va le dire rapide. Nous avons une force de police qui est près de 10 plus que, alors minimum 10 000 policiers, qui est le plus. Est-ce que depuis mars, où j'entendais que la police planifiait une intervention, et qui ça qui fait que la police pas capable de mettre en brigade ou près de 2 000 policiers, vraiment les plus braves, 2 000, ou former en force, et puis ou dit qu'on fait une opération dans 4 ou bien 5 zones en même temps. Ou bayou de prime de risque, ou yote prenko pou vous faire Canada cadeau pour le vendre matériel, que jusqu'à présent, livre deux pailles dans des bails qui tout crasé. Bah nous, ok? Donc, comme ça, ou t'as besoin de munitions, et on dit que la police nationale a capacité, si que yon pas besoin de autorité internationale pour yon mener de opération pour résoudre le problème crise qui est en Haïti. Ok, il y a policiers qui ont volonté et chaque groupe policier que me rencontre. Malheureusement, c'est depuis sous président Jovenel Moïse parce que ils étaient toujours prend institution en otage. Comment fait moi-même, comment fait mon directeur la police, directeur général la police et que pour ambassadeur à me rencontrer. Ça pas fait. Automatiquement l'ambassadeur souveraineté pays a et puis en papier, un ambassadeur capable de rencontrer avec autorité politique, directeur général de la police, par exemple, pour rencontrer avec l'ambassadeur qui a dit qui ça doit faire. Malheureusement pour le pays, nous, et nous joignons des Haïtiens qui hypothéquent la souveraineté pays, ça, que nous sommes fêtés 1er janvier, ou que même le premier ministre Cap Jour, il va faire élection, il va faire le naïf. La Caille, petite rivière de l'Artibonite, une ville historique. Qui a une histoire d'elle, il n'y a pas balé. Bon, on peut dire ça. Donc, monsieur, à 6 ans, fait pays à crime. Crime, ça a été fait là. La police nationale d'Haïti et des militaires que nous avons, moi, qui a fait parade majorette et sous champ de masse là, parce que nous avons des jeunes qui ont des capacités, qui prennent des formations et puis qui n'ont pas des âmes. Donc, son pays dit, ou ses amis d'Haïti, ou ses courants, mais peuple ça. Ok, à tel point que nous avons pris des sanctions. Le monde que nous dit qui a crasé le pays. Mais pour qui ça que ça peuple a besoin, bah la police, ils ont un appui technique, bah aux armes, et qu'il a déblayé le pays. Question insécurité, ça, c'est une volonté politique. Dans 3 mois, nous avons circulé, j'en ouvre. Donc, c'est pas une hypocrisie, ça. Donc, c'est. Là, nous ne sommes pas capables d'exterminer. Son peuple qui a une capacité de résilience et hors pair. Nous ne sommes pas capables de payer ça, c'est pour Dieu créer. Député c'est Antoine. C'est pour les faciles. Député Antoine, vous parlez de la police là, pour être renforcée et bah, la police en moyen pour être capable d'éradiquer les gangs dans le pays d'Haïti. Alors, que pas plus tard que la dernière déclaration, vous me dites plutôt, directeur de la police, la France LBT fait, lui reconnaît que la police pas préparée pour faire face à grand banditisme. Ça, comment nous pourrions mettre la police face à que un groupe bandit alors que même directeur la police n'a pas quoi dans corps police là même directeur la police là démoralisé à travers intervention mon quelques agents de police me pensais qu'il t'a gagné motivation pour yo t'a capable mener une opération et quelque part renforcer tout bandit yo qui de jour en jour a valé terrain. Très bien. Directeur de la police et actuel la France LB, moi je crois que c'est un policier qui fait école, ils sont ici depuis agent 1, qui monte jusqu'à directeur général. C'est un policier que policiers reconnaissent, un directeur général que policiers retrouvent dans lui. Et mon que me tendait, que me contentait qu'à parler. Et puis, moi, ouais, c'est vrai que nous avons publié. Moi-même, je pensais que l'IGA a assez de capacité pour que le résout le problème. Ça. Mais, directeur général, là, automatiquement, il a dit le contraire de déclaration qu'il fait. Il n'a pas directeur général encore. Parce que la communauté internationale, à travers BINU, il prend pays ça en otage. Ariel Henry n'a pas pris aucune décision politique sans pas consulter Madame Lalime.
OK. Donc question directeur général là, il connaît bien que la police nationale a une capacité pour le faire face à elle. Il suffit que si tu as un pays vraiment qui te veut aider à Haïti, yo t'a bail police nationale là aide. Jean que en Ukraine, il y a bail de moyens 40 milliards. Nous pas besoin ça. Nous avons besoin de 40 milliards pour que la police nationale nous résout le problème. Donc nous ne sommes pas capables de mépriser le peuple comme ça. Nous presque nous voulons exterminer le peuple là. Et c'est bon Dieu qui a bien pour effacer le pays. C'est aucun monde dans le monde n'est pas capable de bien autorité sur le pays. Okay? Donc question que le directeur de la police nationale a dit, et la police nationale n'a pas de capacité. S'il fait une déclaration contraire, il n'est pas directeur général de la police encore. OK, donc yo contraint yo pour faire et toute institution yo prend yo en otage et c'est la communauté internationale avec gang absimaï un peu partout dans pays a c'est bobine bandi pas connait toute autorité ça yo dans aucun pays. Non, que pays bandi pas qu'a gagné autorité ça. Et c'est laxisme ça qui arrive de monde comité dans poste, non c'est de poste et de fonction. Prends exemple ancien ministre justice là, qui était prend des décisions pour que zone village de Dieu, une fois de plus, pour que pas de circulation, gaz pas rentrer, de l'eau pas rentrer dans la zone. C'est l'État qui est détenteur de la puissance publique. Donc, aux zones qui de nos droits, que le monde n'est pas capable de circuler la donne, comment pour le faire gagner courant et entrer la donne? Comment pour le faire gagner de l'eau? Même si je parle que bandit cherche à jouer, mais récupérer sous dictat pays qui a fait déstabiliser le pays à une prendre. Mais Haïti fait pile bagarre pour moi. Il y a longtemps que je ne peux pas parler, je me suis décidé pour me parler de point ça, de bandit, de gang qui a déstabilisé le pays. Il y a une main cachée. Et c'est cette main que la population pour nous chercher. Ok, donc, c'est pas possible. Nous sommes dans une communauté qui est paisible, qui est scoff. Donc, la boule, c'est une zone paisible, quartier résidentiel. Côté gang, ça a été poussé. Et puis, le monde n'est pas capable d'aller. Il a fait face avec la police. Je salue le courage, vaillant police. Ici qui dans commissariat Pétionville Keskov et Thomasin et qui a fait face avec bandits chaque jour. OK, donc moi que c'est un effectif que vous renforcez, mais faut direction générale la police là, monsieur, pour une fois pays ça a fait trop de bagarre pour nous. Rivé on est directeur général la police au pays pour inspecteur la police, donc c'est déjà une grande on gros fonction que lié. Grand pays a fait ça que 1er janvier nous sommes fêtés à sa ancêtre nous t'es fait pour pays a pour que nous quittons pays pour petit nous pour génération future là capable de sentir fier de pays a. Donc pas le maximum de nous-mêmes monsieur. Donc, donc son gang qui fait parler de lui en pile dernier et Chassayo. Qui histoire gagne de gang ça? Comment gang ça a fait prendre tout espace ça dernier temps ça yo auprès que la sortie d'un territoire à l'autre? Son plan qui est pour que un architecte cap tracer plan pour que pour saturer capital pays, OK, pour que pas de circulation qui fait la donne. Que le monde n'est pas capable de circuler. Mando qui ça que vous cherchez ou pas qu'on est. Pourquoi monsieur ça, quel que soit, il y a dit que le pays a de mines, il y a de bails qui ont besoin d'exploiter. Mais qui ça que vous avez d'Ariel n'est pas bailli? Nous pas besoin d'exterminer le peuple là pour nous prendre ça de besoin. Vous comprenez? Donc, bon plan, bon architecte, parce que zone ça, c'est de zone quartier résidentiel et paysan pas s'y tirer voler dans le mi-temps. OK, on croit sorti dans ni ou même ni madame Alexandre, nous sorti dans milieu rural, près paysan par contre si tirer voler. OK, c'est deux monde, c'est pas de résident de autochtone de monde sonne là qui vient faire bazar. Il y a deux plans, il y a deux mains qui rentrer, qui a infiltré, qui a fait banditisme en façon pour créer panique, peur, faire moun yo quitter zone, elles sont reprendre. Donc pour déstabiliser pays, il faut dire que pays ça pas rien, son pays paria, pas rien, mais paria c'est monde que nous mettez, c'est pas peuple qui mettez, tout c'est pas dans élection que aller pour arriver nous dans qui c'est en constance que arriver dans tête pays.
ou bon directeur banque map ouais une décision que gouverneur banque centrale prend. Donc le Canada, gros pays, pays qui dit ses amis, pays d'Haïti, qui pense des décisions de hommes d'affaires pour que yo suspend yo pour pas commercer et couper visa yo pas capable aller dans le pays la caillou. Mais décision ça, est-ce qu'on connaît que qui conséquence yo gagne sur économie pays. Ou gros ministère d'agriculture qui pas régler rien. Mais donc qui boit adresse lié qu'on y a. Si mando non ministre agriculture pas connait. Pas jamais tant d'intervention. Paysan prend des boulis. On sacrerait 22 000 dollars et 10 000 gouttes actuellement sur le marché national. Bien que mon phénomène est international, côté que produit ça, la Russie, c'est 14% marché mondial là que le représente. Donc, intrant agricole que nous besoin, c'est le ministère de l'Agriculture a un plan pour que un plan au niveau agriculture pour les paysans, pour produire manger, parce que deux pigots entrepreneurs, les gens qui sont importateurs de manger, que vous sanctionnez. L'opéra deux plus grands importateurs parce que bien donné ça l'homme était député me descendre la douane moi t'as le faire recherche qui plus gros importateur que nous et plus gros importateur c'est une là c'est bien de là dedans qui sanctionné donc mon ça c'est produit et c'est dans agroalimentaire que oui donc ils ont importé donc le ou sanctionné deux plus gros importateurs de produits alimentaires. Et pays noir pas produit rien. Est-ce que c'est pas un plan pour exterminer peuple ça? Donc en pile monde content. Moi ouais que vous content que vous prenez sanction. Nous besoin renforcer institution. Mais on va pas de monde qui mérite. Non, on va pas de monde qui. Non, écoutez, député Alfredo, on va pas de monde qui mérite sanctionner. On va parler de monde qui reproché de un comportement qui porte préjudice à la société et en attendant que la justice lui-même lui mette l'embranle pour sanctionner moun sa yo gen. On sanctionne vini pour empêcher yo faire commerce et puis on mettez ou dit que bon ça a gagné conséquences sur agriculture pas fin ouais soit défendre là pas ouais ok mais pas le dire aucun ministère de l'agriculture qui pas gagne aucun plan vraiment agricole politique agricole à travers le pays ok donc d'ailleurs problème circulation qui gagne dans le pays a que denrées ou pas capable écouler puis gros marché national venir c'est quoi des boussales ça a campé depuis presque 2 ans ok donc pas gros plan pour aider paysans youn votre peuple là à 70% de panne de importation deux plus grands importateurs nous dit que ils ont pas capable de faire commerce avec l'international. Donc est-ce que c'est un plan pour exterminer peuple là? C'est là mi avo. Est-ce qu'on ouais comparaison besoin faire? OK, côté me voulez venir. Oui, mais moun sa yo même moun sa yo quand même que reprocher yo. Par rapport avec comportement qui porte préjudice à la société. Qui non, mais comment traiter yo? Comment traiter yo? Est-ce que c'est parce que yo ta capable de contribuer dans production nationale là? Étranger. Pas aucun pays étranger qui a remis Haïti passer nous. Ça est bobine. C'est Haïtien d'abord qui doit remettre pays. Le monde qui a fait vagabondage, quel que soit secteur où appartenu, ok, quel que soit classe sociale, nous devons avoir des institutions en Haïti qui pour sanctionner les gens. Pourquoi nous n'avons pas de faire contrebande? Donc, la douane, là, pour que les mettent de institutions, la police, doit là. Il y a des pays, c'est l'armée qui contrôle la douane. Dans pile pays en Afrique, après annoncer deux pays en Afrique de l'Ouest, capacité que l'armée a gagné, et puis nous-mêmes, alors, qui a 60 ans, ok, depuis qu'on est indépendant, de l'indépendance, et que le pays est indépendant, et nous-mêmes qui avons plus que 200 ans, qui sommes pionniers dans le peuple noir, et puis pour nous, on l'a mis, ils ont réduit là. On peut de chagrin en façon pour ne pas contrôler le territoire, nous, pour ne pas contrôler les frontières. Okay? C'est institution aussi bien de pays. Les Nations Unies, qui est nous-mêmes, qui est Haïti, c'est même fondateur. Si vous voulez aider nous, c'est aider nous à renforcer l'institution, nous. Yo. Institution étatique, c'est eux-mêmes qui pour traiter dossier ça. Donc, pas aucun pays
étranger qui a prêté Haïti passer haïtien. OK, nous pas capable effondrer pays à nous entraîner dans chaos et puis n'a voulu venir passer comme sauveur menti. Nous pas voulu bonheur peuple, si nous voulu bonheur peuple vrai, nous t'a renforcer la police, nous t'a bailler la police moyen, nous t'a aidé OK, créer de conditions pour que l'armée a les moyens de défense pour le capable et combattre le grand banditisme pour être capable de protéger les frontières contre les gens qui n'en doivent, ok, pour être capable de contrôler tout espace et territoire pays, que ce soit maritime, aérien, terrestre, que nous avons de forces publiques qui contrôlent. Et quel que soit le monde qui n'en vagabondage, qui n'en gang, qui est au niveau de l'État, qui est occupé de fonctions étatiques et qui servit de fonctions pour faire du vagabondage, il faut que vous servez contre eux. Même pas de parler, c'est pas dire dit que c'est un saint ou bien c'est ange que mon yo sanctionné. Oui. Non, même dit que nous avons parlé là. Deux mouns ont parlé là. C'est qui est-ce encore? Deux mouns ont parlé là. C'est qui est-ce encore? Deux mouns. Non, il y a deux gros importateurs. Le shérif Abdallah, c'est lui-même qui commande produit pour market. Tout market qui est là, prend Renault Zib. C'est Deka, c'est grand importateur, c'est Mounsa qui importe plus, même c'est de données comme ça. Mounsa va dans la production nationale. Mounsa va dans la production nationale. Eh bien, c'est l'État qui baille le ton. C'est l'État qui baille le ton pour nous faire produire, pour nous faire production nationale. Et ça fait me parler du ministère de l'Agriculture. C'est l'État qui baille le ton, qui crée cadre pour que Vallée Latibonite qui est capable de produire du riz pour tout pays, et même arriver importer, exporter. C'est ça, pour qu'un groupe de politique publique, dans la question agricole, dans la filière, risicole, d'autres produits, que ce soit ces mangues qui soient capables de sortir dans l'Artibonite, et l'autre, en commune, qui va empilement mangue Francis, bon, capable. Gourmand, merci. Gourmand, ok. Donc, c'est le ministère de l'Agriculture qui pour créer moyen de filière, ça, non seulement pour production local et pour nous capables de joindre en abondance sur plus haut pour nous exporter. Donc ça dépend de ça, c'est l'État. Pas de aucun monde qui est businessman lui-même qui ça vole pas se fait profit. C'est qui ça qui a rapporté le plus. Il ne doit pas aller à la production. Mais si l'État lui-même mettez de capacité pour que gain production, pour le mettre, pour augmenter taxes au niveau de la douane. Par exemple, les carcérés, au monde qui a importé du riz, les montent taxes là. Mais il faut que l'État guérit, il faut que deux monde qui dans l'État qui est capable de prendre décision ça. Du riz a importé, l'Artibonite a produit du riz ou augmenter taxes là. Le que importateur, l'Iwe que du riz l'Artibonite là, puis bon marché. Que taxi pour le payer pour le dédouaner là, pour libérer la production. C'est l'État qui doit bailler le ton. C'est l'État qui doit bailler le ton. Merci beaucoup, Alfredo Antoine. Qui... Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est l'espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la valet pays, nous bral faire débat.